Et nous sommes de retour dans notre aventure. Ça lag un peu, j'espère que tout va bien. C'est parce qu'il doit y avoir la pluie et tout ça, il y a beaucoup de choses dans le camp. Donc la dernière fois on a récupéré 4 petits sangliers. On est soupçonneux, je sais plus pourquoi. On avait volé un truc, je crois, mais rare. Je crois bien. Je crois que c'était un plan. Parce qu'on n'a pas d'objet volé. Je me rappelle plus du tout. Ah non, c'est la fourrure. Non. C'est la mission de la fourrure. Exactement. Il faut aller donner la fourrure. Donc on avait dit qu'on pouvait faire 1, 2 et 3. Oui, voilà, ça me revient maintenant. Par contre, je sais pas par où monter. J'imagine là. J'imagine que ça, c'est une montée. Je pense. Ok. Une solde versée. Ok. C'est parti. Bon, on est recherché pour vol par contre. Hein. Donc, on va devoir faire attention. T'es sérieux? Du coup, on va dormir à la ville. Dormir à la ville, comme ça on risque rien. La ville sera toujours zéro. Ouais, sera toujours zéro. Alors, très bien, ça... Fromage, ça aussi... Je crois qu'on a rien à cuire. Je crois qu'on avait déjà tout cuit, tout ce qu'on avait. Du porc à la limite. Ok, très bien. Ça m'embête un peu à chaque fois de rajouter du ragoût. Mais bon, dans un sens, j'ai pas grand chose de plus. En fait. Parce que après le ragoût, c'est facile à faire honnêtement, donc c'est pas très grave. Mais ouais, je voudrais. De toute façon, les sangliers, on vient de les avoir. Élevés par des sangliers, bah ouais, enfin c'est un sanglier. Quoi. Mais ouais, ils sont pas encore gras. Donc du coup, on a ça. Hop là. Du coup, on a ça. On est en train, on va pouvoir faire du cuir et tout ça. Ah! Le codex a fini. Sans bien récupérer une blessure, etc. Ok. Alors, ce codex des anciens a été déchiffré et le fragment de texte suivant obtenu. Je me suis endormi à Canopée et réveillé à Siegfried. Mais les villes se ressemblaient tant que j'ai cru que ne jamais être sorti du port. C'est pitié. Quoi? Mais c'est pitié de voir tous les jeunes bâtisseurs copier le travail d'Erkesbeth. Okay. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire ça en fait? C'est juste pour trouver une histoire et ça donne des points de recherche, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu veux, Taurus? Les autres ont l'air très inquiets de voir nos têtes mises à prix, mais ils s'en font pour rien. La garde à la mémoire courte et se tenant à carreau pendant quelques temps, ils auront tôt fait de nous oublier. C'est vrai. Alors, se moquer, se rassurer, et planifier la cavale du groupe. Taurus gagnera le statut endurant et plus 20% de fatigue par contre. Ah, la fatigue, ça m'embête parce qu'on doit aller loin. Alors, le poney dit de se rassurer. Je pense qu'on va faire rassurer. Ça m'embête un peu parce qu'on a plus trop de... d'influence. Allez. J'ai pas envie d'être fatigué, j'ai pas envie de quoi que ce soit en fait, de malus. Ok.
Ok, on va mettre ça. Donc, je comprends pas trop l'histoire, en fait. Elle sert à quoi, l'histoire? Ouais, maintenant, c'est ça. C'est là, la petite histoire. Je sais pas. Ça doit donner beaucoup de connaissances, j'imagine. Parce que j'ai pas vraiment fait attention. Ouais, c'est parti. Alors, c'est par là. Ouais, on va essayer de monter là. Ah, on a des esprits là, on essaye de les combattre. Oh, de l'ours. Mange de l'ours et doit soigner les maux de l'âme. Oh, on peut manger de l'ours, c'est cher. Intéressant. Après, je dis pas non pour tester les esprits là. Alors. Attaque surprise. Donc loup fantôme et sanglier fantôme sont niveau 5. Ça devrait se passer. Je voudrais bien récupérer le nouveau. Enfin, du cuir spécial et bah, des choses en général en fait. J'ai envie de dire. Puis en plus, on est reposé et tout. Donc pourquoi pas en profiter. Ah, c'est bien parce qu'on les a pris en surprise. Donc du coup ils sont tous au même endroit. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Et en plus il y a un éclair. Alors faut faire attention parce qu'il va y avoir plusieurs vagues. Hein, donc les vagues vont sûrement de venir de l'extérieur par contre. Donc faudrait essayer de les tuer en fait. De tous les massacrer avant que les renforts arrivent. Bon, ça m'étonnerait que ça arrive. Ah ouais, ils ont pas trop de vie. On va la mettre en fuir. Alors, ici, ici, non, ici, là. Ok, c'est pas mal ça de les prendre en... De les prendre comme ça en fait là. C'est intéressant. Ok, donc c'est des fantômes. Donc quand ils touchent, ils font terreur et tout ça, etc., etc. Bon, ils vont prendre plus de dégâts. Donc il faudrait. Donc on a deux jeux là. On peut faire deux jeux. Alors si. Je me mets ici et que je provoque, je vais toucher les deux là. Je pense. Donc on peut faire peut-être un jeu avec Kirik. Hacker il est là. Peut-être on peut faire un jeu avec Kirik en fait. Ouais, on va faire ça dès le début. Comme ça, c'est fait. Et Kirik va tanker un peu au centre. Mais après, on envoie... Il est où? Oh, on en envoie 8 qui se mettra au centre et tout ça. Qui protégera. Ouais, ça fera des dégâts, je pense. C'est bien. Que si je m'avance un tout petit peu plus, est-ce que je peux faire plus de dégâts? Non, pas vraiment. Ok. Provoque. Thank you.
Très bien. Ça c'est fait. Très bien. Ça se passe super bien. Bon, faut faire attention, faut pas se faire submerger. C'est un peu le même système que les rats, honnêtement, ici. Ah merde. Ça est grave. J'ai cru que c'était l'autre, là. C'est pas grave. Elle est où, l'autre? Ah, elle est là, Lucie. Faire une brochette. Très bien. La terrasse, ça marche comment? Il faut que la personne tue ou pas? Je me rappelle plus. Terreur. Au bout de 5 applications, l'unité terrorisée fuit le combat. Chaque fois que cette unité attaque, elle appelle terreur. Si elle meurt, réduit de 3 la terreur de l'unité l'ayant tuée. Ah, ok, ok. Donc faut que ça soit lui qui tue. Ok, ça marche. Je sais pas si on a vraiment besoin de... on peut faire ça... Pas mal... Attends, elle a tapé deux fois? Ah mais ça, ça marche même quand... Ah oui, mais oui, bah oui, en fait, on fait une compétence. Donc même taper, en fait, elle fait un lancer réflexe automatiquement. Mais ça, j'y pensais pas. Ça, j'y pensais pas du tout. S'il peut le tuer. Oh ouais, complètement, complètement. Du coup, il a plus de... plus de terreur, c'est bien.
Bon, on va devoir faire attention. Pour voir d'où ils viennent. C'est bien, on peut faire du pestiféré sur... sur des fantômes. Je crois pas que personne... Le cœur, il a joué. Lucie, elle va rester là. Attends, il reste pas beaucoup de vie. On va utiliser un rat. Ah, très bien. Voilà. J'y crois pas, le fait qu'on puisse pouvoir les attraper, ça aussi c'est vachement bien quand même. Ah, il faut des chaînes d'Alazar ou je sais pas quoi, là, des chaînes magiques quoi, en gros. Mais c'est vraiment cool. Bon, personne est dans... Ouais, non. Juste un peu... juste un peu mettre les gens ensemble. Un peu plus juste au cas où, parce que je sais pas où ils vont apparaître. Ces renforts, ils m'y arrivent. On enregistre toujours et tout ça. Je travaille toujours sur un seul écran. C'est un peu bien. Ok. Ok, ils sont tous là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok, ok, ils sont vraiment tous là. Ça marche. Bien. Alors, ils ont beaucoup de force ou pas? Non, c'est des animaux. Ok. Donc Lucie, en théorie, pourrait toujours faire du crit. Il y a Kirik qui pourrait faire encore un peu de... Oh la vache. Ok. Ah merde, on est un peu décalé. Non, ça va, ça touche. Ok. Alors, du coup, hacker, il est pas loin. Hop, désengage. Très bien. Faudrait peut-être que nous on a quoi? On a choisi... Ah merde, je peux pas voir. Se le lance. Ah oui, nous on a choisi arme empoisonnée en fait à la place. Pour hacker. Donc quand il tape dans le dos, il fait de l'empoisonnement. Mais c'est vrai que bah, le fait de pouvoir lancer... Enfin, si c'est un stratège maintenant, le fait de pouvoir lancer une petite dague là, comme elle fait notre Jill là, ça peut être intéressant.
Ah, par contre, j'ai un peu peur que ça, il tape que lui et du coup. Il se prenne un peu trop de terreur. On va mettre le cheval. Le cheval va un peu bloquer et prendre la terreur. Et Lucie aussi. Protection. Ah putain, mais elle peut tuer tout le monde, c'est abusé quoi. Ah non, non, c'est abusé en fait son truc. Hein. Je veux pas dire. Mais... Il y a de la terreur, il y a pas qu'il y a de la terreur après, c'est bon. Par contre, elle, on va la mettre sur défense parce que j'ai pas envie qu'elle se mette n'importe où et qu'elle finisse genre sur le. Sur l'éclair. Après, il y a toi qui a de la terreur. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il ne reste pas grand chose en fait de ce côté. Bon bah tout ça, hein. Pas pour en faire grand chose. Ça. Oula. Ok. Parce que je sais pas où ils vont apparaître, donc c'est ça le problème. Ah, un truc sympa, ça serait genre au camp. On est des. Genre des choses. Genre par exemple, on a la table de stratégie pour nous donner la stratégie là, de l'encerclement. Là. Et ben moi je voudrais une table encore, ou la même, ou alors la faire monter de niveau, ou un truc comme ça. Où on peut voir s'il y a des renforts ou pas. Ça, ça serait intéressant ça. Le cauchemar vient d'apparaître. Ça, ça serait intéressant. Ok. Honnêtement, avec tout ce qu'on a, je dirais peut-être qu'on peut... Peut-être tous les tuer, hein, mais je suis pas complètement sûr. Pas mal. Hop. Ciblage, on est prêt à décoller. Ouais, il faut que Hacker il soit. Enfin, après, là, on... j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que là, en fait, c'est parce que... Bah oui, ça nous aide. C'est pas, on ne le fait pas non plus constamment, quoi. Ah.
Est-ce qu'on va devoir bouger ou pas? Un truc aussi, c'est que c'est considéré juste comme une attaque, le... son habilité. Genre, elle a pas fait un crit, par exemple. Voilà. Non, c'est bon. Ça s'est super bien passé. Taurus est devenu bourreau. Donc on a récupéré bah, de la viande, globe oculaire et cuir blanc. Que 12. J'aurais bien voulu que ça soit un peu plus. Mais bon. C'est Taurus qui est devenu bourreau. Ah, arme à deux mains, yes. Nickel, nickel, nickel. Il y avait fine lame avant, maintenant il est bourreau. Ah, ça c'est bien ça. Il va faire mal. Hein. Enfin, il fait déjà mal. On a échappé belle, hein, putain. Bon, comment on monte? Ah, par là. Par là. Au moins, il y aura moins de gens. Moins de lois, surtout. Moins de lois. En tout cas, j'espère. Oh, la vache, on voit rien du tout. C'est quoi ça? Ah, c'est... Attends, bougez pas. Ok, inspectez. Les corps sont percés de flèches d'arag. Ok. Ah! Oh, un rat ici, ok. Cool, donc ça fait deux rats. Ça fait deux infestations de rats, ça c'est très très bon pour nous. Voilà. Enfin quoique, vas-y go, avant qu'on soit fatigué. Est-ce que je voulais les prendre à revers et tout ça, mais je me suis dit, on est très fatigué, donc on va devoir se reposer en fait. Et si on se repose, on va avoir une chance de se faire attaquer pendant le repos. Vous voyez ce que je veux dire? C'était combien, niveau 6? 5? Je sais plus, j'ai pas fait attention. Ah, c'est un peu la merde hein, quand même les montagnes, c'est dangereux. Mais bon, c'est une bonne récompense. Niveau 6. Alpha niveau 6. On peut en récupérer un. Non, on a un alpha quoi, 5. Bon après, ça fait longtemps qu'il est avec nous, donc bon. Nous... Non, il est 6 aussi. Je sais pas. Pourquoi les loups normaux? Les loups normaux ils mangent un peu moins. Ah, j'ai pas réparé mes armures, j'ai oublié de faire ça. Complètement oublié de faire ça. Ouais, c'est pas grave. Alors, 4 ici, 3, il en manque, attends, 4, 5 et 7, 8, 9, 10,
manque un groupe de 3. Ah oh, là, ok. Ok, donc eux, on peut les laisser venir. Non, il va falloir faire un blocage, un blocus en fait, ici. Faire un petit blocus ici. Ça marche. Il va faire un blocus partout en fait, c'est ouf quoi. Il y en a un peu trop. Je suis pas très fan de cet endroit là. Je pense pas qu'on va avoir des problèmes, hein, mais on est mal mis, quoi. Ah, honnêtement, ça devrait aller. Honnêtement, ça devrait aller. Ah, ils ont beaucoup de force. 24. Ah, c'est chier. Des AOE. Ah, peut-être pas vraiment en fait. Voilà, on est bon. Ah là, je peux en toucher deux. Il y a cela aussi qu'on n'a pas géré pour le moment. On va faire ça. Alors, hein. Comme ça, on les débuffe au max. Ils sont dans la boue, ils vont mettre un peu de temps à venir et tout. Thor qui peut aider. Orline qui peut aider avec du
foison. Qu'elle s'avance un peu pour faire son couteau là. On peut pas faire les trois. Ah. Yes. Nickel. Ah ouais, non, non, à chaque fois elle balance un petit coup de couteau. C'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Très bien, 14. Maintenant c'est à lui. Lui on peut peut-être le tuer. Ah, l'allée, elle est là. On est bon. Ah non. Merde. Ah, ça va. Non, attraper un loup, ça servira à rien. Attraper un loup, ça servira à rien. Il nous reste deux haches. 3, 5. Non. Par contre, on est plein en bravoure là. Il faudrait faire quelque chose. Voilà. Tout le monde, plus ou moins tout le monde est pris en fait. Très bien, ils vont mourir petit à petit à cause du poison en plus, ça c'est cool. On peut peut-être tuer lui avec le râteau. Voilà. Bon, ben ça va. Que ces trois là qui... Ça, on a, ils ont pas encore. Ah non, mais ils ont pas encore joué en fait. On apercevoir. Rien de m'en apercevoir. Toi, tu devrais le tuer là, non? Ah non. Non, non, non. C'est bête. Le cheval va faire ça. Mais nickel. Je vais pas pouvoir tirer sur lui, on est d'accord. Ah si, 100%. Yes. Nickel. Ah, j'aurais dû utiliser d'abord ça. Ça fait toujours quelques petits dégâts en plus, en fait. Okay. Voilà. Il reste plus grand chose maintenant. Un truc qu'ils auraient pu faire, mais ils l'ont pas fait. Enfin, encore dans un sens. Ou peut-être qu'ils vont faire plus tard, on sait pas. Ça serait genre si on contamine la viande. J'ai pensé à ça. Si on contamine la viande avec un rat putréfié et tout ça, genre la viande qu'on récupère, c'est de la viande toxique, la viande putréfiée. J'ai pensé à ça. Ah, fait chier. Ok, alors.
coup, il reste ces deux là, ces trois là, là qui sont cool. Bon, toi, tu sers à rien. Prochain. S'il esquive pas le loup, le prochain. Prochain tour, il sera mort. C'est tellement bien ce qu'on a fait avec sa hache, lui. Le fait qu'il a son habilité à 3 coups, là, qui peut, à chaque coup, ça a genre 30% de mettre du poison, puis après, on fait. C'est juste super, quoi. Je répète, mais c'est juste super. Ce combo là d'habilité là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Nickel. Non, non, on va vous finir si on a faim. On fait toujours de la nourriture. On va s'occuper d'eux là. Pff, le poison sur lui, hein, ça fait mal quand même. Putain. Et sur la masse qu'on a, il faudrait... On avait parlé de ça, il faudrait mettre... Genre là, non, on a mis l'huile de force. Et ben en fait, il faudrait mettre l'huile de force pareil sur ça, en fait. Sur l'ingénieuse. Ça serait vraiment bien. Comme ça augmente la force, c'est vraiment cool. Ah, je crois qu'on va encore passer des tours, il n'y a plus personne là, de ce côté. Ouais. Tiens, c'est un point gratuit. Ah non, non, elle n'est pas en combat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le cheval. Non, mais le cheval, il est méga loin. Ah, est-ce que le chien, tu peux faire toute la map? Ah, presque. Sauf que tu peux pas passer, parce que je t'ai bloqué comme un idiot. Oh, on va devoir passer tous les tours. Oh non. Je peux pas le tuer. Je sais plus si on avait dit qu'on essaierait de recruter quelqu'un de nouveau, je crois. Si vraiment il y a de l'opportunité en fait de recruter quelqu'un de nouveau, d'intéressant, ouais. Mais je suis pas complètement sûr que ça arrive. Ça va, c'est pas mal. Apparemment, notre poids aussi est pas mal. C'est vrai qu'on doit camper. Ah, il y a 10% de chance. Je sais pas si c'est parce qu'on est à côté des rats ou c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui traîne encore. On va voir. Alors là... Ah non, ça c'est pour faire de la viande. Non, non, les carcasses, il nous les faut pour des pots. Bon, on a beaucoup de carcasses par contre, c'est peut-être un peu abusé. Peut-être en prendre deux.
pour faire ça. Ouais, c'est pas mal. Après, pour la cuisson, on a des choses. On a du loup, on peut faire des saucisses. Le loup, je crois pas... Oh, excusez-moi. Désolé, ça vient de moi, le son. Merde. J'ai complètement oublié. Désolé. Son de Windows, pardon. J'espère que ça va pas se reproduire, mais bon. Parce que je suis en train de faire un rendu en même temps et tout. C'est pour m'avancer, parce que je suis tellement à la bourre sur certaines choses. Donc je disais, le saucisse de loup. Le loup, on peut rien en faire d'autre. En tout cas, pour le moment. Donc, go saucisse. Après, avec le porc restant... De toute façon, on a plein de sangliers, donc au bout d'un moment... On récupérera à nouveau du porc. C'est pas vraiment un problème. Donc t'es toujours en train de faire ça. Elle guette. Ah bah voilà. On a déjà perdu du poids. Ça c'est le cuir blanc. Très bien. Donc ouais, on... Attends, le sanglier il est soigné. Mettre un autre sanglier. Voilà. Est-ce que toi tu peux te mettre... Non, toi t'es transport. Non, j'ai fait un transport et trois. Pourquoi il n'y a que deux? Attends. Un. Ah voilà, 3, oui non c'est bon. C'est bon, il y a 3 personnes au feu. Oui. Go. Ah non, pardon. Je vais me reposer sans mettre de la bouffe quoi. Ah très bien. Bah voilà. Bien. Alors, progression, ok, ça marche, on met du cuir. Mais t'as pas fini, on est d'accord. Okay. On a eu un point, je vais le garder. Je crois. Ah oui, on peut peut-être faire le coup du recrutement de compagnons réduit de 5%, c'est pas mal ça aussi. J'imagine que ça c'est l'argent, et peut-être en deuxième ça va être l'influence. Que ça m'intéresse d'avoir de nouveaux compagnons. On verra. On verra. On va le garder de côté pour le moment. Alors. On continue notre petite visite de la montagne. C'est joli le lac comme ça. Tiens. Un jour. Ouais, ça va. On a de l'argent. Oh, c'est quoi ça? Ouais, sanglier, ok. Aide demandée. Chasseur de fantômes. Des soldats de l'armée du seigneur se sont mis en tête de vaincre le fantôme d'Arag. Raisonnez ces idiots. Ok. Mais il faut leur parler quoi. Bonjour. Alors, c'est eux le fantôme d'Arag. Tuons-les. Non. Arc de la Légion. Et là, c'est un Falchion. Falchion, c'est... Je crois que c'est les épées à deux mains dans le jeu. Ou une main. Deux mains, je crois. Arc de la Légion. Fais voir un peu. Ils sont 10. Je vais être honnête, je suis assez curieux, en fait, de voir ce que c'est l'Arc de la Légion, hein.
Ok. Matériaux de réparation répare 5 points d'armure supplémentaires. Encore ? Ça tue. On va les combattre. On va les combattre parce que arc de la Légion, hein. Je arc de la Légion. Et en plus plus bas, il y a aussi, il y a encore des sangliers. Ils doivent être au niveau 6 et tous les sangliers. Donc on peut peut-être aller voir. Alors eux, ils ont la formation militaire. Donc ça, ça va être un peu embêtant. C'est quand ils sont engagés ça. Ah non non, à côté d'un allié, bon, ça va. Ils font jamais ça en plus. C'est idiot. Donc 1, 2, 3, 4 ici avec le... Non, pas le boss. 1, 2, 3 ici. Donc ça va. Ils sont censés être 10. La bug. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ah, 8, 9, 10. Ok. Oula, oh non. Non, non, non. Non, non, on va pas mettre un groupe complètement isolé. Non, non, ça marche pas, ça. Je sais qu'on est beaucoup, mais au pire, on met des animaux, quoi. Non, non, on n'est pas assez pour couvrir, en plus. C'est bon, vous êtes solo? C'est bien. Il n'y a pas le chef. Non, il n'y a pas le chef. Le chef est où? Je suis aveugle ou quoi? Opportunité du chef. Elle est où? Ça, c'est celui-là qui va jouer. What the fuck? What? Après, c'est pas très grave, mais je suis aveugle ou quoi? Légionnaire, ambassadeur. Les ambassadeurs, ils sont stylés. Octavie. Elle est là. Fait chier, évidemment. J'en étais... Ok. Non, ils ont bien joué, quoi. Ça fait des dégâts en plus, quand même, assez sévères. Et merde, excusez-moi, c'était encore moi. Putain, l'épisode. Désolé. C'était encore moi, le son Windows, pardon. L'épisode gâché. Pas grave, désolé. Donc il faut quand même aller se la poutrer, là. La Octavie, là. La Octavia, on peut la poutrer avec le duo Yu Kirik. Kirik. On a peut-être pas besoin d'énormément de personnes en fait. Kirik, hacker, il est ouf. Hacker. Que là, ils sont proches l'un de l'autre. Je crois que si je me mets là, je peux la toucher aussi. Je crois. Hein. Je suis pas complètement sûr. À la limite, je me concentrerai sur elle pour être sûr. Ah, quoi que si je me mets de ce côté-là, là, je suis quasiment sûr que ça touche. Donc ça, et il faudrait un peu plus de monde. Ils ont beaucoup de force, j'imagine. 29, ouais, d'accord. 20, par contre... faire mal. qu'est-ce que je pourrais mettre pour... Ah, déstabiliser 8. Avec 8, ça peut être pas mal pour déstabiliser et affaiblir.
Il me faut sûrement quelqu'un de plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des archers, on va utiliser les animaux pour les archers. Il est où Taurus? Taurus, Orline. Orline, elle peut mettre le poison ici. Taurus, il peut y aller et défoncer tout le monde. Ça peut être pas mal. Ouais, je pense que le premier tour, ça va être ça. Ouais, je pense que ça va le faire là. Je pense que ça va le faire. Ok, allez, on y recommence. Sinon, on va jamais le faire. On a 20 bombes sur nous. Est-ce que ça vaut le coup de les balancer ou pas? Ah, juste pour voir un peu. Okay. Oh la vache, le lag. Je crois que ça c'est... Je sais pas quel moteur de jeu ils utilisent. Mais... Quand... Des assets pour la première fois en fait à base dans le jeu, ça lag énormément parce que ça charge. Donc je sais, il y a un moteur de jeu qui fait ça souvent, extrêmement souvent. Pas lequel, je sais plus. Je l'ai su à une époque. J'ai remarqué. Ah mais si je fais ça, ça va le repousser. Ah j'ai merdé. Faire ça, affaiblissement. Ah, si je fais ça, ça va le repousser. Voilà, très bien. Ah, il a pris cher hein, pour le poison, ça nous tue. Alors. Et on a. Il va falloir qu'on gère en fait petit à petit, et là, il va falloir que je me place. Genre déjà, il va falloir peut-être que je commence. Provocation. Ciblage, on est prêt. Il faut qu'on gère elle, lui, elle, la torte. Là, on va mettre l'ours de toute façon, donc ça va. C'est l'archer. Ça, on va le gérer avec un animal. Nickel. Tuer le chef. Alors, on va gérer l'archer. Je pense qu'on va mettre l'ours directement dessus, comme ça c'est fait. Et ça va aller vite.
prochain, c'est lui. Le sapeur, il est un peu loin. Merde alors. Le rat? Le rat peut choper le sapeur. Mais ouais, ben c'est un rat quoi. Attendez, je sais quoi faire. J'imagine qu'elle a la grave de la force du coup. Ouais. On va l'assister. Très bien. Là aussi sur sa lance, sur les multicoups, là, il faut aussi mettre du poison. Faut vraiment qu'on fasse des huiles en fait. Qu'on commence à mettre des huiles un peu partout comme ça. Là, il faut aussi du poison. Parce que 4 coups, 4 fois 30%. Ça va être toi. Je sais pas si on va la tuer. À 30. Ah, j'aurais dû jouer ça d'abord et après le traverser là. Ça aurait mis du. De l'affaiblissement sur elle. Mais bon, ah, ça va, c'est pas grave. Pas beaucoup de dégâts. On va mettre la lait ici, peut-être comme ça elle se... Ah mais elle va traverser. Ouais, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose. Hop là, devant l'ours. Et maintenant... Aïe, joli, joli, joli. Joli, joli. Très joli. Et on continue. J'ai dû faire une pause. Alors, on a notre spadassin. Spadassin. Je crois que spadassin, il est... Je crois que c'est... Oh, non, on était sur... Qui trouver.
On était sur notre ranger, ok. Sur War. Bon bah du coup, ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis exprès, ok. Non, ça marche. maintenant il reste lui. Ah, c'est... on a le sanglier. Enfin, j'ai envie de dire, on peut... Ouais, on peut faire ça. Ça fait toujours plus de dégâts. Ça fait toujours plus de dégâts. Cercler en plus, très bien. Yes, nickel. Et là, par exemple, si on dit d'attaquer... Avec War, ils vont tous attaquer l'un après les autres. C'est vraiment cool. Bon, là, ils sont gris. Qu'est-ce qu'on a après? On peut utiliser les sangliers. De toute façon, ces unités-là, elles vont... Mais merde. Merde. Ce qu'elles font, c'est qu'elles tracent. C'est comme notre... What? Woot? Comment il s'appelle? Oh la vache, comment il s'appelle? Ok, très bien. Bien joué. Comment il s'appelle? Wheat, wheat. Voilà, wheat. Aigram, tu vas te mettre là. Aigram, t'es un peu nul. Il faudrait à la limite parce que on a une épée donc magique et tout machin. À la limite, il faudrait quelqu'un bouclier épée pour en faire un tank. Pas un tank. Hein. Vous savez, à chaque fois on dit tank DPS machin quoi. Mais ouais, il nous faudrait une personne. Enfin, la prochaine qu'on recrute, je pense, de personne. Ça serait Arwen, notre chasseur, qui peut être intéressant. Mais je pense que ça sera... je pense que ça sera plutôt... Hop là, très bien. Un épée bouclier, je crois que ça serait le mieux. Très bien. Pas mal, on va se mettre derrière. Tu vas pas faire de dégâts. Parce que Lucie, après on pourra la changer. Enfin, non, j'ai pas envie de la changer honnêtement. Ça sera un super tank résistant, tout ça. Non, Lucie elle est très bien. Lucie elle est très très bien. En plus elle a commencé à avoir des bonnes choses. Et puis on l'a mis super tank. Mais ouais, pour l'épée, il nous faudrait potentiellement quelqu'un qui sache l'utiliser en fait. Quelqu'un peut faire des dégâts ou... Non. Ben voilà. Je crois que c'est ce qui nous manque. C'est quelqu'un épée bouclier. Voilà.
ça. Des coups de couteau. On va se reculer, juste au cas où. Oh la vache. Voilà, ça c'est fait. Il reste plus que toi. Et voilà. Joli combat. Alors, ouh, on a récupéré des bonnes armures et une nouvelle lance. Ah, vous avez infligé une sacrée dérouillée et vous êtes même pas mort. De quoi on a l'air maintenant? Le seigneur avait raison, on n'est pas prêt de tuer un spectre, on devrait rentrer. Tenez, prenez. Tenez, peut-être que vous réussirez. Yes, ça tue. Ça tue, ça tue. Par contre, j'ai... Non, ça ira. Excusez-moi, je regarde si tout enregistre bien. Alors, on a récupéré l'arc de la Légion. Ordre de tir. Cible une zone, effectue une attaque d'opportunité contre le premier ennemi à travers la zone. Ah, c'est ça l'ordre de tir. C'est ça l'arc de Légion, il a l'ordre de tir. Ouais, c'est pas top en fait. Bon, c'est un peu de la merde honnêtement. Enfin, il est gris et tout, c'est pas. Ouais, non. Bon, par contre, les armures sont sympathiques. Deux armures lourdes extrêmement bonnes. Parce que là on a 20% 46, là on passe à 61 et 22 et 8 aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle a pas le problème de mouvement. Il y a plus d'armure et tout, mais oui, mais elle a pas le problème de mouvement. Donc ça serait bien, ça serait mieux. Mais bon, en tout cas, on peut jeter ça, enfin vendre ça aussi au final. Après, la lance de la Légion. Un simple contact avec la hampe de cette lance et on sent monter l'envie d'envahir Darag. Alors, compétence duo fonctionnelle. Ça fait quoi? Inflige un dégât cible. Si elle est engagée avec un allié, cet allié gagne riposte. Okay. Peut-être pour mener. Peut-être pour mener, comme ça donne riposte en fait à la personne. Je sais pas si ça vaut le coup en fait, honnêtement. Parce que l'attaque de base est pas, fait pas énormément de dégâts, alors que ça c'est quand même mieux niveau dégâts. Après c'est sympa. Mais bon, on sait même pas si ça a vraiment bien fonctionné. Parce que c'est vrai que la plupart des fois, elle tue en fait, mener. Elle tue. Donc la riposte, ça va pas vraiment fonctionner pour le mec qui est en joue. Quoi. Puis honnêtement, une attaque de riposte, c'est pas énorme. Ça fait pas vraiment trop de dégâts. Donc ouais, séchoir à viande. Quoique, on ne devrait peut-être garder. Non, on devrait garder les carcasses pour. Complètement pour le cuir. De toute façon, on verra la prochaine fois qu'on dort. Mais sinon, ça vaut le coup. Bon, par contre, ouais, c'est pas cher payé. Hein. Là, on a combien? On a. Oh, le jeu. 50, 40, 50, 80. Et après, on a Will aussi, avec l'empalement.
Bah après, on n'a pas besoin de se mettre à côté, maintenant que j'y pense. Pas besoin de se mettre à côté, il faut juste taper en fait la cible. Ok, peut-être que ça sur lui ça peut être intéressant. Ok, de toute façon sa lance elle commence à être un peu vieillotte quoi. Ça, il fait 14 à 17. Bon, les dégâts sont doublés à distance. Ah, c'est vrai que les dégâts doublés à distance c'est vachement bien. Je crois qu'on va rester comme ça, honnêtement. Je crois qu'on va rester comme ça. Alors là, on a quelque chose. On va voir un peu. Par contre, il y a encore un rendu, en fait. Je pensais pas qu'il allait être fini aussi rapidement. Et on risque d'avoir un nouveau son de Windows, je suis désolé. Pas prévu en fait que le rendu se fasse aussi vite. Attends, il y a un truc là, je vois rien du tout. Oh! Grotte du grand grognon. On a encore de la. Des sanglés, on peut se faire de la nourriture. Ok, ok. Alors avant, d'abord on fait ça mec, hein. Après on t'aide. Oh putain, après je me dis peut-être que faire du bruit ça peut amener des bêtes. J'en sais rien. J'imagine que le mec il s'est fait attaquer par des bestioles. Ouh, deux rubis, cool. Mais ouais, je suis chaud pour recruter une autre personne, comme j'ai dit, épée bouclier, ça serait bien. Après, il y a Torte. Torte, en fait, est devenu trop intéressant avec l'érudit pour revenir à l'érudit au début. Torte, il a quoi? Ouais, Torte, c'est un coup gratuit. Bon, après, elle avait un truc sympa, c'est ça, mais c'est vrai qu'elle sert un peu à rien. C'est des gens qui coûtent pas cher. Comme j'ai dit. Oh mon dieu. Y'a rien qui s'allume, y'a que lui, ok. Alors vas-y, Tibev. Ne dites à personne que je suis ici, s'il vous plaît. Je vous en supplie, gardez le silence. Les gens de Préno veulent me tuer. Ils disent que je suis un pestiféré, mais c'est faux. Mes parents étaient déjà morts. Il n'y avait rien d'autre à manger. Je ne... Ah, désolé. Excusez-moi, voilà, j'avais prévenu. Pardon. Alors, mes parents étaient déjà morts, il n'y avait rien d'autre à manger, je ne pouvais pas faire autrement. Prévenir que les villageois montent une expédition pour le tuer. Ah, mais c'est juste un cannibale. Dans ces temps-là, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de dire. Donc, mais c'est, il n'a pas l'air d'être un pestiféré, donc ça va. C'est vrai, je dois partir. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de l'attaquer. Regardez, il essaie de s'enfuir, tuons-le. Pitié, non, je ne suis pas malade, laissez-moi partir. Ne l'écoutez pas, il a dévoré ses propres parents à nous. Et si nous le tuons pas, tout de suite, il fera d'autres victimes. Je n'ai tué personne, mes parents étaient déjà morts de faim. J'aurais subi le même sort si je n'avais pas. Mercenaire, je viens vous donner 10 crans pour vous charger de lui. 10 ? Je ne suis pas un meurtrier, mercenaire, vous me croyez ? J'ai déjà épargné une fois. Combattre. Ah, ok, on peut choisir. Une saxe acérée et 10. 10, d'accord. Moi je vais combattre les pécores là. Saloperie. Maintenant ça remet combien de. 41, c'est énorme. 41, c'est. On a très peu. On n'a pas beaucoup de personnes qui dépassent les 40. Vraiment cool ça. Vraiment, vraiment sympa.
Bon. Les pécores. Il va falloir s'arrêter. On dit qu'il est pas pestiféré. On connaît, on a vu des pestiférés, on a vu des zombies, tout ça, on a vu comment ça marchait. Et lui, il l'est pas. Donc arrêtez de faire chier. Civil niveau 5. C'est quoi ça? C'est une épée ou une masse? Ça sert à rien. Alors, toi tu vas cuire. On va mettre Kirik ici, comme ça il va les défoncer. Ah, il y en a beaucoup partout hein, quand même. Hein. Le problème c'est qu'ils ont des torches, honnêtement. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont des torches partout. Est-ce qu'on les one shot ou pas? Non, on les one shot pas. Ah, ça va pas être. What the fuck? Ça va pas être simple en fait. Pas que je le prenne à la rigolade, hein. Ça va pas être très compliqué non plus, mais faut pas exagérer. Faire chier avec le feu. Il va falloir vite tous les tuer en fait. Je pensais que ça allait le tuer honnêtement. Qu'on achète de la poudre. De la poudre à Lazare là où je... Attends. Voilà. De la poudre pour faire des bombes, tout simplement. Adieu ou pas. Adieu. Bon, les pécores, ils ont pas de force. Hein. Voilà.
Ouais, on va lui enlever le feu. C'est surtout l'ours qui me fait un tout petit peu peur en fait. Je me demande si on... il faudrait énormément de viande par contre, mais pas avoir une armée d'ours, genre 3 ou 4 ours, ce serait énorme. C'est pas idéal. Idéal. J'aurais dû garder un soin vers lui en fait, vers l'ours. J'étais un peu con. J'étais un peu bête. Ah, même les pécores, faut pas quand ils sont nombreux. Quand il y a 2-3 ça va, hein. Mais quand ils sont nombreux. Faut faire attention. Ils viennent avec des fourches et des torches, quoi. Ah, il y a un vrai pécor, quoi. Vrai de vrai, hein. Tiens, tu veux des trucs putréfiés avec de la peste et tout? Non, non, regarde. Ça, là, c'est ça. Et en plus, tu vas devenir un mangeur de chair. Je me demande si encercler, ça fonctionne sur... les dots, je pense pas. Eh ben, pour être encerclé, il encercle les lourds, ça, putain. Il va s'énerver à un moment, il va me bouger tout le monde. Saléa. Tu sais que t'as rien dans les mains? T'es au courant ou pas? T'as juste une grande gueule en fait. Alors là, je crois qu'on est bloqué. Ah non! Torte peut bien courir. On gagne pas de bravoure par contre. Hein. Là on fait plein de trucs mais on gagne pas de bravoure. En plus j'en utilise pas. Enfin tant mieux mais... Oh mon rat. Ah Méné elle est pas faite pour...
pour vraiment combattre en fait. Elle est faite vraiment pour le support. Bon, ça va. On devrait pouvoir les tuer au prochain tour. Ok. Bon, maintenant tout le monde meurt. Voilà, une personne de mort. Oh la vache. Ok. Je pensais pas. Nickel. Ils m'ont laissé une ouverture pour l'ours. Hop là. Ah, ça c'est bien tombé quoi. Ils m'ont laissé une toute petite ouverture. Non non. Vous êtes des malades. Yes. Allez Graham, tue-moi ça, qu'on ait 2 points. Merci. Ok, très bien. Là, on a tué tout le monde. Là, on a tué tout le monde. Ok, il reste plus que là-bas. Qui c'est qui reste? Ouais. C'est con, je peux pas mettre d'animaux. On va se mettre juste là. Nickel, fureur. Parfait. Parfait. Est-ce que je peux mettre plus d'animaux ou pas? Non, ils sont tous trop loin. Oh, très bien. Ah, des archers avec ça. Qui utilise énormément d'animaux et tout, ça peut être dangereux. Ça peut être une bonne équipe. De toute façon, tout le monde est trop loin. Tout le monde est trop loin. On va passer un tour.
Après, pour ce genre de combat, honnêtement, peut-être qu'au final... genre, finir les combats, c'est inutile. Parce que je pense pas qu'on va récupérer des choses sur eux. Maintenant que j'y pense. C'est peut-être le genre de combat, en fait, à zapper, quoi. Ouais, je dirais que c'est le genre de combat à zapper, en fait. Maintenant que j'y pense. Et voilà. Parce que voilà, bref, du four. Oui, torse, c'est sympa. Alors, coup de fourche, inflige 15 dégâts à cible. Allonge 3 mètres. Ah, ça a une allonge 3 mètres que... Oui, il a quoi 3... Allonge... Non, c'est pareil, d'accord. Bah, c'est ce qu'on avait au début. Hein. C'est une fourche de fermier, hein, parce qu'on était des fermiers, nous aussi. Donc, spécial. Merci, merci de m'avoir sauvé. Vous êtes des gens bien. Vous savez, je ne regrette pas d'avoir mangé mes parents. Non, c'est leur mort qui m'empêche de trouver le sommeil. Donc, ne pas nous rejoindre. Il est déjà parti. Okay. Yeah, fromage. Il est déjà parti. Alors. Alors, la fourche. Maintenant. Non, fourche, c'est pas intéressant. Par contre, c'est quoi? Alors, il est en train de se sac, sax. Et redoutable. Coup de poignard. Je vais voir. Là, toi, tu fais du 24 à 31. Et avec ça, tu fais moins. C'est cool. Embuscade. 30% de chance de coup critique supplémentaire. Embuscade. Se déclenche quand cette unité attaque par derrière un ennemi engagé. Ouais. Bah, ça... Oui, je comprends pourquoi elle fait un peu moins de dégâts, en fait. Parce qu'on a une chance de taper deux fois, en fait. Bon, après, elle a moins de dex aussi. Mais on a une chance de taper deux fois. On peut tester. Est-ce que j'avais envie de tester ça, moi, personnellement. Donc, je veux bien... Alors, le problème, c'est que on a des ours. Non, des sangliers. Ok, est-ce qu'on est bon là? 10%. Ça va. Ça devrait aller. On va dormir et ça va être la fin de notre épisode, je pense. Hop. Quoique non. Non, mais on a plus de viande à faire. Hein. On va pas sécher de n'importe quoi. Eux, ils sont toujours pas gras. Lucie, tu te mets au camp. Quoique non, Lucie, tu te mets à la tente. Toujours 8. Toi t'es guéri. Qu'est-ce qui manque? Manque toi. Un peu guérir. Ouais, on guérit les cochons. Enfin les. Ouais, les sangliers, quoi. Mal. Ils mangent bien quand même les mecs, hein.
Genre ragoût de porc avec du fromage, des saucisses, champignons, du porc grillé et de la viande séchée. Honnêtement, un putain de repas. Bon, on va manger tout ça. On va s'arrêter là. Continuera la prochaine fois. On continue le... Troupe est reposée. On est à plus 7, ça marche. Les coffres ont été blanchis. La chose que je voudrais faire, c'est... Parfait. Oh, voilà. Oui, c'est que la forêt, on doit la vendre, on doit la porter. Ouais, on reste dans la montagne. En fait, quand on est recherché comme ça, le mieux, c'est de se balader dans les montagnes et de faire de l'exploration montagneuse, quoi. Comme ça, vous passez le temps, y a quasiment pas de patrouille. Et ouais, je crois que c'est la meilleure des choses qu'on ait faites, là. Donc ouais, la prochaine fois, on va baisser la recherche. On va continuer encore un peu la montagne. De toute façon, on a encore un truc là. Les rats, comme j'ai dit, on va pas le faire encore. On va regarder un peu ce qu'il y a. On va pas encore le faire, les rats, parce que je voudrais un peu monter de niveau et peut-être trouver quelqu'un d'autre, honnêtement. Trouver une autre personne. La solde est élevée. Quasiment du 300 à chaque fois. Donc ça part vite, il faut tout le temps faire de l'argent, j'avoue. Ouais. Je sais pas. Mais bon, après, on a quand même encore des objets hein, pour vendre. Hein, donc bon. Le monde est encore plus grand que ce que j'imaginais. J'ai l'impression que je pourrais passer toute ma vie à le parcourir sans jamais revenir deux fois au même endroit. Rêver d'aventure. Ah tiens, on pourrait en récupérer de ça. Se reclure dans le silence et endurer la mélancolie. Bavarder sur tous les propos de la relation. Ah, la relation, ça m'aiderait. Enfin, ça m'aide. Oui, on a des petits bonus et tout. Donc bon. Ouais. Voilà, elle s'entend quasiment avec tout le monde et elle aime beaucoup Méné et Witt. Donc ça va. Bon, le sanglier, faut pas trop que tu l'aimes. Enfin, que tu t'attaches. Hein. S'ils sont là pour être bouffés. Hein. Rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Voilà, les sangliers sont là, mais ils sont vraiment là pour être bouffés. On a d'autres en plus qui arrivent. Un sanglier dépressif, vous avez déjà vu ça? Bon, ils sont pas encore à point. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Encore une fois, on se baladera dans la montagne. On continue nos péripéties. Et on va faire des missions qui nous restent. Donc celle-là, 200. Et puis après, on rentrera à Storm Cap. Pour récupérer, pour empocher les 400 et on empochera tout en fait. Donc ouais, on fera ça. À la prochaine, ciao ciao.